Mesdames et messieurs, bonsoir. Votre téléjournal de la semaine. Bonsoir Memphis. Vous avez, je crois, un... Les bambous racontent leur lycée. Le troisième enregistrement. Imaginez un raaba de l'une de nos troupes folkloriques qui troque ses... Bonsoir Memphis. Vous avez, je crois, un communiqué de l'association à nous présenter. Merci Bimboulette. Si vous permettez, je vous lis le communiqué qui nous a été transmis par l'association. Parmi les objectifs que s'est assigné notre association, récompenser tous les lauréats aux examens scolaires des trois filières du cycle secondaire que compte le lycée, en guise d'encouragement pour les efforts fournis durant l'année. Cette action s'est toujours concrétisée et ce, depuis plusieurs années, avec les seuls moyens de l'association. Cette année, nous avons jugé nécessaire d'honorer les trois meilleurs professeurs du lycée des frères Lamrani pour les efforts qu'ils n'ont cessé de déployer dans la réussite de leurs élèves. Par les chiffres, nous aurons donc à acquérir 10 cadeaux pour les lauréats des trois filières de la première, deuxième et troisième année secondaire ainsi que la nouvelle filière des langues instituée depuis cette année 2017-2018. 3 cadeaux pour les trois professeurs désignés par la direction du lycée. Aussi, nous lançons un appel solennel à toutes les bonnes volontés qui aimeraient bien nous soutenir dans cette noble action d'être au service de notre lycée et de ses élèves et professeurs par leur aide pécuniaire ou en nature pour être à la hauteur de leurs attentes respectives. Nous joignons nos coordonnées bancaires à toutes fins utiles. Les bambous racontent leur lycée. Le troisième enregistrement réalisé le 4 juin 2018 avait pour thème « L'avant-après indépendance ». Il y a une assemblée, il y a un animateur. L'animateur, on pourrait le faire à tour de rôle. D'accord? À chaque fois, il y a quelqu'un qui arrive. Mais comment on va en passer? Hein? Qui m'a tapé? Donc là, on va parler par exemple d'un sujet. Alors, le premier sujet, c'est l'indépendance. L'indépendance. Faut qu'on en parle, parce que le Gina, le Gina, mais qu'a apporté l'indépendance à votre vie de
Donc il y a des sujets. Donc il y a beaucoup de choses. Donc là on va trouver, par exemple, l'indépendance en 61. Chacun va s'il a quelque chose à dire, il nous dit. Pourquoi l'indépendance, etc. Chacun. Qu'il n'y a plus de commentaires sur le sujet, on passe à un conseil. Voilà, comme ça, on va pas dire. C'est un sujet très. Ah voilà. Non, c'est un sujet. Eh malé. C'est-à-dire c'est une maison en condition. Hein? On va battre avec la dépendance en 62, comment pouvait-on venir ici? Un petit tour, je dis. Avant, la bonne. Le correspondant, les loisirs, le journal interne, tout ça, du coup. Donc, l'animateur qui trouve ça avec un chapitre, il trouve qu'il joue au début de la raspite, on joue le wada. Mais je ne sais pas, 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 chaque fois, s'il faut quelqu'un, il faut que quelqu'un l'habille. Il peut passer à tout le monde, donc il va faire attention. Il faut aller. Et peut-être on va apporter ça on dit pas qu'il y a beaucoup de sujets, on parle de la culture, il y a même la restauration, le déjeuner, le midi, le goûter, le 20h, le spécial à Madame, dans le sport, le chef de bar, il faut qu'on sorte de tout, c'est qu'il faut qu'il faut. Donc Lyon, le premier truc, c'est l'indépendance en 1960. Allez à l'indépendance. Parce que pas qu'il vient d'indépendance, il faut que je des cours, que tu la rate, que tu la il faut qu'on reste de l'indépendance. Ah, c'est vrai, c'est vrai. 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 C'est vrai, d'un certain Chéani qui était au lycée. Ah, bon, je suis Chéani Bachir. Chéani Bachir. Ouais. Chéani de Foulou. Mais là, moi, je suis loin. Et encore, je me rappelle, il y avait Jamaldine Tabani. Il y avait le marhoum Jbaïli Tsar, Jbaïli. Je ne me la rappelle pas, je crois qu'elle est partie à la partie partagée ou la maison. Elle raconte ça, je ne sais pas quand. Mais là, qui y avait-il encore comme parmi les grands? Il y avait les Djouini, les frères Djouini, ils étaient deux frères. Il y avait le père était un peu de Il faisait partie de l'équipe du collège, l'équipe de football. D'ailleurs, qui venait de rapporter, qui allait rapporter le trophée à l'Afrique du Nord. La façon, à l'Afrique du Nord. Donc, ce qui date, je crois qu'il devait se rencontrer les Marocains. Donc, ça, contre ce qu'il venait, il venait de gagner un match. Et le lendemain, il devait faire le. Ils étaient fatigués, je crois qu'ils se sont fait avoir. Mais donc, les gens qui ont fait la canne, Parmi les
Oui, c'est le principal collège. Vous avez de deux choses. Ah là, nous avons un système. Vous avez de deux choses. Ou bien vous rejoignez les rangs, vous rentrez en classe comme si de rien n'est. La classe sous la valise. Hein? Ouais, et là, vous montez au docteur, cherchez vos valises. Vous voyez, hein? Je n'ai pas d'autre expectative. Il y avait Gervin. J'ai rencontré son neveu et son oncle. Un lors de Mchete. Mchete a présenté, c'est un ancien militant. Le premier militant. Kemal 22. Mchete. Mchete. Il avait été décidé à doit là. Il m'a présenté un peu. Je ne sais pas quel forum il a fait. Il a fait un. Il a comme une conversation. Oui, c'est là qu'il a sa mort. Donc, après ça, on va voir mon traitement. Il est déjà. Mais. Quel forum t'as mis place ? Notre grand-mère ouais, là ? Oui, Constantin. Ouais, deux de la région de Constantin, je pense. Ou grand-mère là, c'est quelqu'un qui ne voit plus. Qui était le col de l'équipe. Bah, le. C'est un peu comme ça. Du bassin méditerranéen. Ouais. Et tout ça vient de la Grèce antique. Donc c'est des légendes. Il y a un fond commun qui circule. Donc tu gars, par exemple, tu as les sept dormants, ou là, je ne sais pas quoi, tu gardes partout. Donc j'ai aimé aller. Le plus populaire longtemps, je ne sais pas si c'est un comme c'est l'Idouane. L'Idouane, c'est Jacques. C'est le plus. C'est une personnalité qui existe, la mouche virtuelle. Qui existait, c'est un doigt. Il y a un pays de arabophone de Turquie. De la Russie. Je ne sais pas si c'est le Turkistan, je ne sais pas. Le Dagestan. Quelque chose, un pays comme ça, il y a une ville ou sur la place publique, un de chaque comme ça, pour une bref. C'est ça. En bronze. Et parce que l'indique, dès la statue indique, c'est lieu de. Disons, de. De dire ou contre. C'est sa ville natale, où il est là où il a vécu. Parce que, effectivement, c'est le mythe que moi j'ai lu le colis de l'UNESCO à l'époque, je ne sais pas, c'était en 76 ou en 77. De l'historique Taj Mahal, d'ailleurs, même les compteurs aussi. Quand il était un peu, disons, il était intelligent. Et bon, on a raconté toutes les histoires, on les a inventées. Mais ouais, il avait quelques histoires, parce qu'il était intelligent, il essayait de duper les gens. Donc, même Bouddha, une légende, on a fabriqué autour de nous un ensemble d'histoires de Je suis en train de faire des choses.
Les histoires de Chak qui sont plus principales. Il y a une avant, vous devez connaître l'histoire. Il y a avec son fils, avec Alain, Mouchir. Il voulait un peu le village. Ce fois, il y a une espèce de problème. 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 Il y a une espèce الكب ونحبوا الدوزيام فيه لاش زادوا عرقوا عليه قالوا كيف انا وركبوا خلال الانفون مسكين مشي وكي لا فينا مهاز دونك ونزل بقى يمشي وركب على كل دوار بقى يمشي نحب الطوازيام فيلاج عاد بسلم عليكم نسمع لي كومنتار تاع هذوك قال كيفاش انا مخلي لاكول اخو يمشي اكسترا بعد فينالمون وكاتريان فيلاج يركبوا في زوج شافوهم كل كيفاه هذا الباب مسكين هذا يمشي ويزر كيفاه وهذا بزاف عليهم قلت له تلميني كومو نحو له سكر فيراج هزيم الدرب. La septième rencontre retrouvaille c'est pour jeudi 5 juillet 2018, pensez-y. Pour cette année, un riche programme vient d'être établi et qui s'étalera sur toute la journée avec visite du lycée Lamrani, récompense des lauréats des trois filières d'enseignement et des trois meilleurs professeurs de l'année, puis déjeuner au restaurant La Jeunesse, vente dédicace de livres et d'œuvres d'art et enfin un après-midi musical au centre des loisirs scientifiques de Kechida. قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي بسقط اللوى بين الدخول فحوملي فتوضح فالمقرات لم يعفر اسمها لما نسجتها من جنوب وشمألي سئمت تكاليف الحياة ومن يعيش ثمانين حولا لا أبالك يا سأمي رأيت المنايا خبط عشواء من تصب تمت ومن تخطئ يعمر فيهرمي ومن لا يصانع في أمور كثيرة يضرس بأنياب ويوضع بمن سمي ومن يجعل المعروف من دون عرضه يفر ومن لا يتقي الشتم يشتمي ومن يك ذا فضل فيبخل بفضله على قومه يستغنى عنه ويذمم ومن يوفي لا يذمم
ومن يهدى قلبه إلى مطمئن البر لا يتجمجم ومن هاب. Imaginez un cow-boy qui surprend une danse sur un air de Marijuana. Regardez la suite. La hantise de l'autre, surtout lorsque c'est inculqué par les médias lourds, on ne peut qu'en rire. Run. Run. Voilà, nous arrivons au terme de notre journal. Nous vous remercions pour votre attention et vous donnons rendez-vous à jeudi prochain, Inch'Allah.